Il euh, faut euh, lui donner la capacité de consommer local. C'est quoi cette capacité à consommer local Un, c'est mettre en place le dispositif réglementaire pour l'échec vacances. C'est un dispositif d'épargne vacances qui existe dans le monde entier qui a fait ses preuves. On a fait des propositions. Il faut maintenant qu'on passe à la phase. Rédaction, rédaction, et puis le législateur va devoir se prononcer là-dessus. deuxième levier, c'est d'assouplir de manière intelligente, ça c'est une affaire très mécanique, le calendrier des vacances scolaires de l'année pour permettre un lissage plus important de la période des vacances. C'est simple, on a tout le Maroc qui sort en une semaine, on a trois zones du Maroc qui sortent une semaine après l'autre, ça nous fait. Trois semaines de vacances versus une semaine de vacances où il y a le rush, où la demande est très forte, où les prix flambent. Donc on fait trois semaines, c'est facile. Ça c'est une, on une mécanique. On l'a fait, ça a été abandonné, je crois, en 2016 ou en 2017. C'est dommage. Année, puis parce que quand on l'avait fait, ça nous avait fait gagner 36 jours de saisonnalité durant l'année. C'est pas mal. Ça c'est important. Après, il faut qu'on regarde aussi quand notre santé économique sera plus, plus euh, importante, plus grande.